voilà, alors on est dans un espèce de book haul si on veut. Alors je vais vous montrer d'abord les quatre livres que j'ai reçus en service de presse, que je suis en train de lire ou que j'ai lu. Le 1793 de Niklas Nat Hoche Dag aux éditions Sonatine a été lu et j'ai adoré. Moi, je l'ai même dit que c'était carrément le roman de l'année 2019. Hein, ça, c'est mon avis perso, évidemment. Ensuite, j'ai reçu aux éditions French Pulp, que je ne connaissais pas d'ailleurs comme édition, Stanislas Petrovski, Ils étaient 20 et 100. Je l'ai fini. C'est un livre assez poignant, c'est un roman, c'est une fiction qui se passe dans le camp de femmes de Ravensbrück. Alors honnêtement, il y a une part de fiction, l'auteur l'explique très bien, je vous en parlerai plus intensément, mais vraiment c'est un roman à lire, pas à mettre entre toutes les mains dans le sens où si vous n'avez pas le cœur accroché, vous connaissez pas la période, ça va, il y a des détails qui sont très crus, mais c'est à lire. Ensuite j'ai reçu par mes éditions préférées, on va dire, Aux Forges de Vulcain, Souviens-toi des monstres de Jean-Luc Daciano. Que je suis en train de lire. Je me suis plongée dans cette Italie fantasmée et honnêtement, ben voilà, ça me plaît beaucoup. Et ben voilà, celui-là, je le voulais absolument. C'était John Pilodori. C'est le nom, il s'appelle Le Vampire. C'est un vieux roman hein, du 19e siècle. Toujours aux Forges de Vulcain, bien sûr. Alors celui-là, je suis en train de le lire aussi, puisque je lis généralement deux livres ou trois livres à la fois. J'en lis un dans les transports. Donc celui que je lis dans les transports, c'est Le Vampire. Peut-être parce que c'est le plus léger. Et Souviens-toi des monstres, c'est celui que je lis à la maison ou le week-end ou quand j'ai le temps le matin et le soir. Voilà. Donc ça, c'est les livres que j'ai reçus en service de presse. Donc deux qui sont lus, deux qui sont en cours, dont un qui est carrément fini pratiquement, c'est Le Vampire. Et j'adorais. Alors il y en a, c'est pompeux, hein, attention, mais c'est exactement le genre de littérature que j'aime, donc forcément, voilà. Et après je vais vous montrer les livres que j'ai achetés. Donc là c'est vraiment un book haul pour le coup et que je suis en train. Alors, je vais vous dire ce que je l'ai lu, ce que j'ai, je suis en train de lire aussi parce que ça c'est pareil et que je vais lire prochainement ou que je vais étaler parce que j'en ai d'autres qui sont en train d'arriver ou que j'ai déjà acheté ou je suis en cours d'achat et donc bah, je suis en train de prioriser à peu près mes lectures parce que ça commence à faire beaucoup. Allez, on se reprend tout à l'heure. Nous revoilà, mais cette fois-ci c'est pour le book haul des livres que j'ai achetés. Alors le premier, je vais vous le montrer, donc ça s'appelle Le Glorc. Alors attention, Les aventures intrastellaires du Poitou-Charentes de Guillaume Carbonneau. Alors j'ai l'honneur de connaître l'entier roman en tous les cas, parce que je l'ai lu ailleurs sur le site de lecture et d'écriture commune d'auteur qui s'appelle Scribd. Moi j'adore, enfin je suis pour le Glorc président, hein, Glorcounet forever, comme diraient certaines personnes. C'est un truc hilarant, il y a plein de références pop culture, etc. Donc si vous voulez passer un bon moment, évidemment il a été entre guillemets relu parce que je l'avais déjà lu, mais j'ai repris quelques histoires qui m'avaient fait en plus que mourir de rire. Donc oui, c'est bien élu saveur de l'année 2147, hein. On a un peu de marge devant nous. Donc ça, c'est déjà lu. Le deuxième, ah bah, vous le savez, c'est mon coup de cœur, hein, c'est Pendragon de Thomas Spock, Aux Forges de Vulcain, encore et toujours. Depuis avril 2018, je le voulais, je l'ai trouvé au Salon du Livre, je l'ai dévoré dans le train du retour. Bah, que voulez-vous, au moins, tant de poésie et évidemment avec une relecture de la légende du Graal, etc. Honnêtement, je pouvais pas y passer à côté. Alors, je vous le recommande. J'ai fait déjà la chronique. Elle va pas tarder à arriver sur mon blog où elle est déjà sortie. Mais honnêtement, bah, allez-y, vous pouvez le lire sans problème. Désolée, mais il y a le général Hux qui râle parce que je lui ai un peu pris son endroit, donc vous l'entendez derrière. Ensuite, il y a l'option Excalibur de David Weber, toujours à l'Atalante. Alors cette fois-ci, c'est poche. J'ai profité de mon passage au Salon du Livre aussi pour l'acheter parce qu'il était en vente, il sortait là. Pareil, hein, hop, lu dans le bus et dans le métro. Alors c'est particulier, j'en reparlerai dans le papier sur la page, sur le blog. C'est carrément, on va vous dire que c'est une flottille au 14e siècle, enfin une partie de l'armée anglaise au 14e siècle qui est enlevée par des extraterrestres.
pour négocier en fait un accord commercial avec des peuples primitifs dans le futur, ou en tous les cas quelque part par là, ou carrément dans l'interplanétaire, c'est le cas de le dire. Donc, enfin bref, c'est de la science-fiction. Il y a des passages où on se dit, mais qu'est-ce qu'ils foutent? Ils comprennent rien. Mais bon, ça se lit, c'est sympa. Moi, j'en avais jamais lu de David Weber, et puis j'avais pas. Bref, j'avais vraiment envie de lire ça. Voilà, hein, mon hystérie sur la légende arthurienne. Quand j'ai vu Excalibur, j'ai pas pu résister, c'est comme ça. Bref, si vous aimez ce genre de livre, lisez-le. Sinon, bah écoutez, je sais pas. Vous me direz si vous avez aimé ou non. Alors ensuite, ça c'est le truc, le pavé, on va dire historique, le truc que j'adore. Alors c'est. Je le dois le dire, c'est Bertrand de Born. Histoire et légende, alors c'est chez Fanlac, c'est une maison d'édition Dordogne. Donc c'est de Jean-Pierre Tullia. Alors, je ne sais pas si vous savez qui est Bertrand de Born, hein, mais bon, c'est ce qu'on va appeler un troubadour, etc. Voilà, donc il a approché quand même des gens comme Aliénor d'Aquitaine, etc. Donc c'était vraiment quelqu'un qui voyageait entre Bordeaux, Limoges, Poitiers. Moi, je fais des recherches sur cette période-là. Alors, je connais hein, Bertrand de Born parce que, bon, évidemment, étant du Périgord, bah, comment ne pas connaître ce petit gars, enfin ce grand gars, on va dire. Mais honnêtement, moi j'ai adoré ce roman. Ça fait un moment que je voulais le récupérer, puis je l'ai eu. Pareil, j'ai discuté avec les éditions Fanlac lors du salon du livre, et ils me l'ont envoyé. Je l'ai acheté, ils me l'ont envoyé parce que bon, j'étais un peu chargée, donc voilà. Autre chez Fanlac, alors c'est le titre hein, qui m'avait attiré, un hein, Springsteen sur scène, vous imaginez bien, donc c'est de Vincent Maillard. Honnêtement, ben, un titre où il y a Bruce Springsteen, comment résister? Je ne l'ai pas encore lu, je l'ai feuilleté juste, hein, mais honnêtement, moi, j'avais vraiment envie de le lire parce que on m'a dit que c'était un roman noir hein, qui était assez particulier. Donc je me suis dit, allez hop, j'y vais. Donc c'est ma prochaine lecture de bus. Donc si vous me croisez dans le bus, c'est ça. Alors celui-là, c'est avec la libraire de Auphin Limier à Marseille que nous en avons parlé parce que j'en avais entendu alors des éloges et des reproches. Pour tout dire, parce qu'en fait, on revisite les histoires. Alors, il y en a plusieurs, hein. Il y a Blanche-Neige, les trois petits cochons, etc. Enfin, il y a toute une panoplie sur les contes, mais c'est vraiment comme ils le disent pour un public averti, puisque en fait, c'est interdit aux moins de 18 ans. Et celui-ci, parmi les contes interdits, on revisite Peter Pan. Alors, comment vous dire? Je vais vous le laisser lire, hein, puisque vous le voyez là. C'est assez étonnant, c'est une réécriture vraiment des plus sombres, mais vraiment sombres, ou quelquefois assez crues, mais même très très crues pour certains, des classiques. Hein. Donc bon, moi Peter Pan c'est un de mes préférés, et puis en plus bon Peter quoi. Je l'adore, c'est un peu comme la légende arthurienne, Peter Pan. Moi, s'il y a écrit Peter Pan, Petit Prince, Arthur, machin, vous pouvez être sûr que j'achète le bouquin. Donc ça, c'est une prochaine lecture. Je les ai classés par ordre de lecture, plus ou moins. Alors peut-être que ça sera à la maison parce que je n'ai pas envie de traumatiser les gens dans le bus. Donc voilà. Prochain lecture, et ça sera forcément aussi à la maison parce que c'est le genre de bouquin qui vous fait regarder de travers dans les bus ou le métro, et ça me gonfle. Donc c'est Rosella Postorino, La goûteuse d'Hitler aux éditions Albin Michel. Alors évidemment, bah, vous connaissez mes goûts hein, pour cette période. Vous savez que je lis beaucoup, beaucoup. Alors pas forcément des romans, pas que des romans, on va dire, mais aussi des livres d'histoire. Ça c'est Général Hux, c'est en train de s'exciter là. Il en a marre. Donc voilà, c'est un livre franchement assez particulier. Il a été couronné en Italie, hein, c'est ce qu'on dit, par beaucoup de prix. C'est assez ambigu. Et puis bon, moi, tout ce qui a trait à cette période, je lis. Donc forcément, allez hop, c'est parti. Ensuite, bah, je vous en avais parlé, hein, il y avait un deuxième livre de Jeanne Borcenet, de Karl. Moi, j'avais lu le premier, hein, qui était l'émission tout simple avec des adultes, The Big History Show. Là, c'est le spécial ado.
toujours aux éditions Marathon. Comment ne pas prendre l'autre version? Enfin, moi, honnêtement, la première m'avait emballée. Alors, attention, c'est un roman pour adolescents. Hein. C'est vraiment de la littérature jeunesse. Mais moi, j'aime bien. Donc, voilà. J'avais trouvé ça sympa pour la deuxième. Je voudrais bien savoir où elle sait qu'elle les a balancés, ces petits adolescents. Donc, ça va être assez sympa à lire aussi. Donc, voilà. Et le dernier, alors, le dernier, on me l'a offert. C'est Joseph Incardona, derrière les panneaux il y a des hommes chez Pocket. On m'a dit que l'ouvrage, c'est écrit derrière, tiens. L'ouvrage a reçu le Grand Prix de littérature policière de 2015. Honnêtement, on m'a dit que c'était très 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 noir comme roman, qu'il y avait des scènes qui étaient quand même assez dérangeantes aussi. Alors, comme on connaît mes goûts assez particuliers, je lis de tout, mais que les thrillers, j'ai mes périodes. Et ensuite, je sors de Requiem, que j'ai adoré, chez Sonatine. Donc, du coup, on m'a dit, tiens, celui-là, il est pas aussi noir, mais enfin, il est très très noir, mais il est différent, tu vas peut-être aimer. Donc voilà, on m'en a encore fourgué. Donc tout ça, hop, je l'ai fait tomber. Tout ça, c'est des livres que je vais lire. Bertrand de Born, je ne l'ai pas encore terminé, mais ça ne saurait tarder. Excalibur, c'est fini. Uther Dragon, je vous le recommande aussi. Et le Glork, comment pas finir par Glorkounet Forever. Glork président. Allez, c'est parti. Voilà, c'est tout pour ce mois-ci. J'espère que je vous ferai un book haul. Alors, vous n'allez pas forcément voir ma tête à chaque fois parce que c'est pas que je veux pas, hein, mais c'est que j'ai un peu de mal à filmer chez moi parce que j'ai des voisins un peu bruyants. J'ai le général Hux qui est pareil, un peu bruyant aussi. Donc, c'est un peu compliqué de filmer avec la bestiole. Vous l'entendez en fond sonore, c'est génial. Voilà, donc c'était tout pour ce mois-ci. Au prochain book haul. Hop, je m'en vais parce qu'il y a le général Hux qui est en train de me défoncer la porte. Allez! À plus tard, au revoir.